Good morning, allez Iden, le Susra aujourd'hui le Nishma Janine Ruth, Bat Fortune Mazal Fritna, Léa Khaya Bat Mazal Tov, Lucien Batraina, Klo Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet Gitin, Perek Zain Mishna Bet. Amroulo Nirtov Get Leishtecha, Vamalem Ktovu. Amroula Sofer Vekatav Vela Edim Vechatmu. Avalpi Shektavuhu Vechatmu Unetanuhu Lo Vechaza Unetanulo. Au netanola. Are aget batel adche yomar la sofer ktov et la edim chatomu. On va traduire directement la Mishnah. Le principe, il y a un seul principe très simple à comprendre. Amro lo. Des personnes, trois personnes, on va dire en beddin, l'ont dit Nirtov get l'ishtecha, tu veux qu'on écrit un get à ta femme? On parle de quelqu'un qui était malade, qui était sur le point de partir. À l'étranger, aller savoir si elle allait revenir, tout ça. Donc, tu veux pas qu'on écrive un guet à ta femme avant que tu partes? Sait-on jamais? Donc, l'intention, c'est qu'on l'écrive et qu'on lui donne tout de suite, comme ça, au moins, elle reste pas bloquée sans savoir qu'est-ce qui est devenu de son mari. Alors, Vea Marlem, Ktovu, il a dit, vous avez raison, écrivez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes ne se mettent pas à écrire et à signer le guet. Mais Amrou l'a sofer, ils sont partis voir le sofer et l'ont dit, vas-y. Ils sont partis voir le sofer et le scribe. Ils ont dit, vas-y, écris-toi le guet. Et Velaedim Vechatmu. Et après, ils sont partis voir des témoins et ils l'ont dit, allez signer maintenant le guet. Donc, apparemment, tout se fait avec l'aval du mari. Avec un point problématique, c'est que le mari n'a pas prescrit directement au sofer et aux témoins d'écrire et de signer. Et c'est là le problème, justement, comme ce qu'on va expliquer ensuite. Afalpi Shektavu. Et maintenant. Donc ils ont dit au sofer, même si finalement, le guet a été écrit et signé. Et après il a été rapporté et donné au mari, pour qu'ensuite, vechazar venetanola. Il est revenu et il a donné à la femme. Donc en fait, il a dit, ils l'ont proposé, tu veux qu'on écrive un guet à ta femme? Il a dit, ouais, écrivez-lui. Eux, ils sont partis chez le sofer, ils sont partis chez l'édim, ils ramènent le shtar, ils me le donnent à moi, je le donne à ma femme. Eh bien là, Mishnah me dit, Arei haget batel, le get est invalidé. Pourquoi? Ad che yomar la sofer ktov vela edim chatomu. Jusqu'à qu'ils disent, au sofer, écris-toi le get. Toi, écris le get. Et aux témoins qui leur disent, signez-moi le get. En deux mots, c'est un principe assez délicat, mais simple à admettre. Les raisons, elles sont plus un peu plus floues. Mais en tout cas, ça s'appelle Milei lomim sere le shliach. Il y a toutes sortes, en deux mots, lorsque je dois prescrire quelque chose à quelqu'un, il y a une halakha spéciale que je dois prescrire au scribe ou au témoin de signer pour moi. Je ne peux pas nommer un chaliar pour qu'il parle à ma place. Je peux nommer un chaliar avec une action à ma place. Je peux partir nommer un chaliar pour qu'il acquiert une femme avec, à ma place. Mais si c'est juste mon devoir, ce que je veux dire, c'est juste dévoiler, dire, si je dis par l'intermédiaire d'un chaliar, ça ne marche pas. S'appelle Milei Lomim Serele Shaliach. De ce fait, celui qui veut, qui doit écrire et le guet, ou celui qui doit le signer, il doit entendre directement du mari qu'on lui a prescrit de le faire. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.